Bonjour à tous. Vous écoutez la balado légendaire. Je suis Maxime Tremblay, l'animateur de cette émission. Et ce soir, nous sommes en direct. Enfin, après un long retard de ma part, je m'excuse. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai oublié mon casque d'écoute micro à la maison. Et comme j'habite à environ 25 minutes de voiture, j'ai dû faire le tour, faire un retour à la maison et revenir enfin dans mon studio, on va dire ça comme ça. C'est mon bureau. Et puis, gros merci à Benoît Mercier, sur qui je mets toute la faute ce soir de m'avoir dit « Ah oui, je veux que tu fasses ça en direct, c'est vraiment meilleur. » Non, c'est pas vrai, Ben, c'est pas de ta faute. Plusieurs collaborateurs sont avec moi ce soir. Je vais prendre le temps de les présenter. Le premier, c'est un nouvel ami qui est avec nous, avec l'épée légendaire depuis un certain moment. On s'était rencontré à Montréal aussi durant l'événement de Mario Party. On avait parlé la semaine dernière et il s'appelle Anthony Gravel. Salut Anthony. Hey, salut tout le monde. Ça va bien de ton côté? Ah oui, ça va super. Ouais, super. Un Diablo dans le corps. Un Diablo dans le corps. Ah oui. Super. Deuxième nouveau collaborateur aussi. Celui-là, je ne l'ai jamais rencontré, mais je suis pas mal sûr que la vie, un jour, va faire qu'on va se croiser. Il s'appelle Mathieu April. Salut Mathieu. Oui, salut. Ça va bien? Ben oui. Oui, prêt pour ta première balado ce soir? Oui, ça devrait bien aller. Oui, mais je pense que oui, puis surtout qu'on veut parler, je l'ai déjà annoncé en avant-première, je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux déjà depuis quelques jours, on va beaucoup parler de Diablo 3 ce soir. Je pense que tu as mis quand même plusieurs heures, toi, de ton côté. Oui, j'ai fait un LAN vendredi avec mes amis, fait qu'un 11 heures de Diablo en ligne. Wow, c'est intense, comme on dit. Je vais aller avec le troisième collaborateur. C'est un grand retour pour lui, ça fait déjà quelques semaines qu'il nous a abandonnés. Il s'appelle Éric Vallée. Salut Éric. Salut, non, c'est ça, c'est pas un abandon. Plusieurs projets personnels là, qui m'ont tenu à l'écart. Là. Okay. Oui, puis pratiquement une nouvelle vie dans ton cas. Ben, c'est ça, on s'est acheté une maison, hein, fait que plusieurs préparatifs, plusieurs choses à prévoir, là, puis ça m'a pris beaucoup de temps là, ces derniers temps. Oui, puis ça, c'est moi pour avoir passé par là récemment. C'est vraiment un très, très gros projet de vie. C'est pas évident à manager tout ça. Puis imagine, moi, j'avais cet Internet à manager au travers de ça, plus trois enfants. Donc, mais je te comprends parfaitement là, de ce genre de projet-là. C'est vraiment pas évident. C'est du stock. Fait que prends le temps de bien le faire comme il faut. Je sais pas où est-ce que tu en es rendu avec tout ça. Si, je pense que vous êtes déménagé. Non, c'est ça. On se fait bâtir. Fait que c'est la banque, puis le contracteur, puis tout ça. Là. Oui. Bon, excellent. Dans le fond, je vais, avant de passer aux nouvelles, je voulais qu'on parle un petit peu. Ben là, vous avez remarqué que Mélanie n'est pas là ce soir. Mélanie, elle a décidé de partir pour son chalet. Puis c'est même pas une blague. Dans le fond, c'est qu'elle elle se fait griller la couenne sur le bord d'un lac. Et puis, elle devrait être avec nous de retour la semaine prochaine. Et surtout, comme on parlait de Diablo 3, et puis que Mélanie a décidé de lever le nez sur ce jeu, eh bien, je lui ai dit, ben, reste donc chez vous. Je vais en entendre parler la semaine prochaine, je pense. Définitivement. Effectivement. Première des choses, avant les nouvelles aussi, je voulais qu'on fasse la lecture du courriel qu'une personne nous a envoyé. Parce que des courriels, où est-ce qu'on... qui nous sont envoyés, puis qui nous disent qu'on fait une bonne job, j'en ai pas souvent. Puis celle-là, je veux lire parce que c'était vraiment agréable et ça me fait beaucoup de plaisir. Je vais commencer comme ça. Monsieur s'appelle Guy. Salut vous tous, je vous écris pour vous féliciter et vous remercier. La quantité et la qualité de l'ensemble de vos créations me procurent un divertissement sans pareil, semaine après semaine. Vous savez remplir mon besoin d'information, mon besoin de divertissement. Bref, mes temps libres. Semaine après semaine, votre enthousiasme communicatif contribue à ce que je me sente faisant partie de votre équipe. J'écoute l'ensemble de vos créations et comme je ne participe à aucune communauté ni aucune discussion, je fais partie de vos auditeurs anonymes. Merci d'exister, de nous présenter enfin un produit authentique et très humain. Donc, c'est signé Vector Guy Deschamps. Merci Guy de nous suivre comme ça. C'est vraiment, vraiment sympathique. Sérieusement, je voulais prendre le temps de te remercier. Et aussi, il faut que je souligne que ce courriel-là n'a pas été envoyé seulement qu'à l'Épée légendaire, parce que Guy, finalement, suit plusieurs podcasts. Il a pris le temps d'écrire ce courriel-là à plusieurs podcasts simultanément.
Python, douteux.org, Radio Talbot. Il a envoyé aussi à l'analyse des geeks, il a envoyé à Rétro Nouveau et il a envoyé au Mystérieux Étonnant aussi. Donc, il y avait deux choses là-dedans qui étaient intéressantes, c'est que non seulement c'est un courriel qui était franchement gentil et plein de bonnes intentions pour nous, mais aussi en même temps, c'est que Guy nous écoute au travers d'un paquet d'autres podcasts qui ont beaucoup plus d'expérience et de renommée que nous. Et ils ont juste le fait d'être vu, pour moi, aux côtés de ces autres podcasts-là, ça m'a énormément touché. Donc, souvent, on vous parle des dons, que quand vous envoyez des dons, ça nous fait plaisir, ça nous aide, c'est vrai. Mais ce genre de courriel-là, honnêtement, ça nous pousse à continuer vraiment beaucoup plus loin. Et c'est ce genre de truc-là qui nous fait grand plaisir. Donc, Guy, je voulais prendre le temps de te remercier. C'est très gentil. Dernier truc que je voulais faire avant, puis ça, c'est parce que c'est un remerciement que j'ai oublié. Vous avez remarqué que depuis une ou deux semaines, on arbore un nouveau logo. En fait, un nouveau logo, c'est une façon de le dire. Il a été redessiné. Dans le fond, c'est vraiment notre logo qui a été redessiné. Je cherchais un style qui est un petit peu plus rustique. Et je voulais prendre le temps de remercier Sylvie Huppé, qui est la graphiste qui a fait ce logo-là. Sylvie a une compagnie chez elle là, qui s'appelle graphem.com. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour sur son site. Donc, Sylvie, merci beaucoup pour ton logo. Donc, assez de pré-nouvelles. On va passer tout de suite pour de vrai aux nouvelles du royaume. Alors, pour les nouvelles pour cette semaine, je vais y aller avec la première qui est une nouvelle que c'est Mathieu, c'est toi qui nous as préparé ça. Dans le fond, c'est que c'est par rapport au lancement de Dungeon Gate. Oui, Dungeon Gate, c'est un jeu de Wild Game Studio Inc. C'est un petit studio de chez nous, de Mascouche. Et c'est un jeu qui va sortir en septembre prochain, le 14. Mm-hmm. C'est un jeu de PC Mac et c'est un open world, c'est un jeu d'RPG. Et la nouvelle va sortir bientôt sur le site de l'Épée Légendaire. Oui, ben ça, c'est un petit peu de ma faute si c'est pas si c'est pas publié encore. Ça fait déjà quelques jours qu'il l'a placé en attente. Et puis, mea culpa, comme on pourrait dire, parce que j'ai manqué de temps. Puis aussi, je voulais mettre beaucoup de temps pour Diablo 3. Donc, mais je le promets, c'est sûr que c'est lundi ou mardi, c'est promis. Oh, on a le temps de toute façon jusqu'au 14 septembre. Oui, c'est ça. Donc, c'est le 14 septembre que ça va être lancé, cette affaire-là? Oui, c'est le 14 septembre. Il n'y a pas encore de prix de vente, mais ça va être développé. Ça va être vendu numériquement et en magasin. Pas pire. Et c'est ça, c'est un petit studio. C'est leur premier gros jeu PC finalement, parce qu'eux autres, ils faisaient plus des jeux mobiles avant. Et c'est un jeu que tu vas pouvoir changer de personnage, prendre l'apparence de d'autres personnages, une soixantaine en tout, que ce soit des animaux, des ennemis, tout ce qu'il y a dans ton univers finalement. Pour pouvoir surmonter les obstacles, résoudre des énigmes. Bon, mais c'est quand même... moi, j'ai hâte de voir ce que les gens de Mascouche vont nous avoir à offrir là-dessus. Je pense qu'on va essayer de les contacter pour peut-être avoir le jeu peut-être un petit peu à l'avance pour qu'on puisse le tester puis produire une chronique à la sortie du jeu. Je vais te mettre sur ce dossier-là. On s'en reparle. S'ils sont à l'écoute, l'invitation est lancée. S'ils sont à l'écoute, les gens... qui lance Dungeon Gate, on vous lance l'invitation aussi de venir nous en parler, peut-être même à la balado si vous avez le goût. Donc, merci Mathieu pour ta nouvelle. Ça fait plaisir. On va passer à la prochaine nouvelle. Carte Steam prépayée chez GameStop. Ça, c'est une nouvelle de Anthony, je pense. Hein? Non, ça, c'était pas la mienne. C'était pas Anthony?
Oh, ben, je m'excuse. Ça, c'est Sébastien. C'est Sébastien Roy, mais qui n'est pas avec nous ce soir. Dans le fond, c'est que GameStop s'ouvre un petit peu à Steam, qui est un gros compétiteur pour eux, pour les jeux PC. Donc, GameStop aux États-Unis, on parle vraiment aux États-Unis ici présentement, ils vont présenter des petites cartes d'achat, dont la fameuse, la Steam Voucher, qui permet d'acheter des jeux sur Steam sans avoir à utiliser sa carte de crédit. Donc, après cette annonce, GameStop met évidemment, lève le voile un peu sur ses intentions de dématérialisation aussi. Il y a le site de jeux téléchargeables Impulse qui appartient à GameStop qui fonctionne pas très bien présentement. Donc, eux, on voit qu'ils cherchent peut-être une solution de rechange ou peut-être un nouveau partenariat. Donc, c'est à suivre. J'ai hâte de voir de ce côté-là si GameStop va arriver avec ce concept-là ici au Canada aussi, avec les eBay Games. Mais je voulais vous poser la question, si je passe peut-être à Anthony en premier, pour savoir qu'est-ce que tu penses un peu de ça, toi? Mais je pense que c'est une option qui est assez intéressante pour les gens qui ont, par exemple, pas de carte de crédit ou de compte PayPal pour les gens qui veulent acheter sur Steam. Moi, par exemple, j'ai plusieurs petits cousins qui n'ont pas la chance, donc à chaque fois, ils doivent demander à leurs parents d'en acheter, peu importe, d'acheter des cartes cadeaux iTunes, par exemple, ou des cartes cadeaux pour toutes sortes de choses en ligne. Puis, je pense que c'est une alternative assez intéressante pour eux, surtout pour les jeunes, je dirais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis pour la sécurité aussi. Ben oui, effectivement, parce qu'à partir du moment où on ne met pas notre carte de crédit dans un autre système, ben c'est une faille de moins pour votre compte en banque. Ben oui. C'est justement là-dessus que je penchais. On se rappelle tous de l'épisode du PlayStation Network avec... Non. Non, mais je pense que c'est une tendance intéressante, là, justement, là, tu sais, quand on voit qu'il n'y a aucun système qui est à l'abri de ça, fait que... Comme ça, on se protège. Après ça, c'est le trouble de faire annuler ces cartes, là, si jamais c'est piraté. Je suis d'accord avec toi aussi. Et puis, concernant ces cartes-là, ce qui est le fun, c'est qu'on les voit de plus en plus sur tous les systèmes. Si on compare, ben, Nintendo le fait déjà avec les Wii Points. Microsoft le font déjà aussi avec les Xbox Live Points. Sony, ben, avec Sony, on peut acheter des cartes prépayées, donc des cartes de 20$, des cartes de 50$ directement en magasin aussi. Donc, il y a une tonne de possibilités pour les joueurs de ne pas mettre leur carte de crédit au sein des systèmes s'ils ne le désirent pas, parce qu'on ne se cachera pas aussi qu'il y a une question de confiance qu'il faut avoir avec les systèmes pour vraiment vouloir y mettre sa carte de crédit ou de leur acheter. Ça, c'est plus dans mon cas, parce que je trouve ça trop facile de juste faire « add to cart » puis que de télécharger mon jeu. Mais, mais vous avez raison, c'est une tendance qui est à suivre. Mathieu, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Ben, je voulais juste dire, c'est sûr, ils ont pas le choix de trouver une nouvelle façon de vendre avec tous les jeux qui vont aller dans le nuage, puis que de plus en plus de téléchargements, les magasins vont peut-être finir par fermer, fait qu'ils cherchent des nouvelles façons de faire de l'argent et de pouvoir continuer à vivre. Oui, effectivement. Je pense que puis j'ai un bon exemple là, aussi, là, c'est, vous savez, c'est parce que là j'ai un blanc, c'est super niaiseux, mais la chaîne... c'est les Blockbusters. Les Blockbusters aux États-Unis. Ouais, ouais. Qui, là, ça va. Ben, en fait, c'est fermé, je pense. Oui, ils ont fait faillite aux États-Unis. Bon, c'est ça. Les Blockbusters qui ont fait faillite, qui, eux, bon, finalement, est un service de location de films. Puis, lorsque Netflix est arrivé au départ, ils avaient proposé une entente à Blockbusters pour essayer de mieux toucher le territoire américain. Blockbusters, ils ont ri usage, ont dit « ça marchera pas votre affaire ». Puis finalement, ben, je pense qu'ils ont manqué un petit peu de vision avec ça. Donc oui, on s'en va pas mal vers le nuage. Mais je pense que les cartes, là, les cartes préparées aussi, c'est un bon coup marketing pour eux. Exemple, tu as besoin d'acheter un jeu qui est 11,99$. Là, tu achètes une carte de 20$, tu sais. Mais là, après ça, il te reste de l'argent que nécessairement tu vas dépenser, tu sais, que tu n'aurais peut-être pas dépensé si tu étais passé directement par ta carte de crédit. Là, il te reste 8$ dans ton compte, mettons. Fait que là, tu dis, ah ben, tu sais, à 8$, je vais acheter un autre jeu. Puis là, ben. Là, c'est ça, finalement, la compagnie, elle, a amassé plus d'argent que ce que tu avais prévu de dépenser au départ parce que tu n'avais pas le choix d'acheter une carte de 20$, justement, parce que c'est ce qui était disponible. C'est vrai, c'est un bon point, ça aussi. Oui, d'ailleurs, si on parle de marketing, justement, ben, je crois que. Ça peut attirer justement la clientèle à venir en magasin. Puis là, une fois que tu es en magasin, ah, ben tu vois tel jeu en spécial. Puis ça peut peut-être aider à vendre qu'est-ce qu'il y a en magasin. Oui, c'est vrai.
On va passer à la prochaine nouvelle, ça vous dérange pas, pas trop s'étirer sur celle-là. De nouveau titre. C'est Diablo. Ah, ouais, non, ouais, c'est ça, bientôt Diablo, ça s'en vient, ça, les gens en parlent sur le chat. De nouveaux titres Nintendo Selects vont être disponibles. Nouvelle de Mathieu. Oui, encore une nouvelle de moi. Il va y avoir deux nouveaux titres Nintendo Select. Les Nintendo Select, c'est des titres que Nintendo descend, qui ont été très populaires, qui sont seulement vendus à 20$. Et les deux nouveaux titres, c'est Pikmin 2 et Mario Power Tennis. Pikmin 2, il avait été annoncé qu'il sortirait bientôt sur la Wii. Il n'avait pas encore été disponible ici. Et ils ont décidé de finalement le sortir en Nintendo Select. Et Mario Power Tennis, ça, c'est un jeu de GameCube, si je ne me trompe pas, qui avait été très populaire. Oui, c'est ça. Puis ils l'ont refait avec des contrôles compatibles avec la Wii, là. Oui, un peu comme avec Wii Sport, façon de jouer de Wii Sport. Oui, exactement, oui. Et il y a aussi deux jeux qui vont baisser de prix avec cette nouvelle-là. Donkey Kong Country Returns et Super Smash Bros. Deux jeux qui ont été vendus à un bon, très bon haut nombre d'exemplaires. 5,5 millions juste aux États-Unis pour Super Smash Bros. Alors, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est un jeu qui s'est super bien vendu. Puis, concernant le multijoueur de ce jeu-là, c'est vraiment incroyable comment est-ce que c'est le fun de jouer en gang à ça, soit en local ou sur Internet. C'est un jeu de combat, dans le fond, donc c'est assez simple. Le principe, il faut juste éjecter les ennemis du plateau de jeu. Puis, moi, c'est surtout ce qui m'intéressait, c'est surtout concernant Donkey Kong Country Returns, parce que ce jeu-là a vraiment été une réussite. C'est développé par Retro Studios, pour ceux qui ne savent pas. Retro Studios, c'est eux qui ont fait toute la série Metroid Prime sur GameCube et sur Wii pour Prime Corruption, qui était le troisième. C'est un excellent studio et le Donkey Kong Country Returns, ce jeu-là qu'ils ont développé, est excellent d'un bout à l'autre. Et je ne l'ai pas. Je ne possède pas ce jeu-là, donc j'attendais une baisse de prix pour me le procurer et ça risque d'être dans les prochaines semaines lorsque je vais avoir l'occasion de mettre la main dessus à 30$. Pour te le rajouter sur ta pile de jeux. Oui, ben, sur ma pile de jeux qui est même pas déballée. Effectivement. J'ai une expression pour ça, c'est « sucks to be us ». S'il y a quelqu'un sur le chat, il sait c'est quoi. Bon, on va passer à la prochaine nouvelle. C'est NHL 13 qui promet un peu plus d'innovation. Parce que ça, vous le savez, cher collabo, c'est que du côté d'NHL, on nous sert un jeu qui donne l'impression d'être du réchauffé à toutes les années. Et puis, une fois de temps en temps, il y a un step technologique qui est fait. Et là, ça vaut la peine. Le dernier qui avait été fait avec la franchise de NHL, c'est en 2007, lorsqu'ils ont introduit la jouabilité avec ce qu'ils appellent le skill stick. Donc, lorsqu'on utilise le joystick droit sur la manette pour faire les contrôles, donc en haut, en bas, pour lancer et puis de côté pour vraiment faire bouger le bâton de droite à gauche. Donc là, pour la version 2013, donc NHL 13, il est promis que les changements vont être aussi gros dans cette édition-là qu'ils l'avaient été en 2007. Les changements devraient toucher au niveau du patinage du joueur. Donc, on ne nous explique pas vraiment comment est-ce que ça va être fait, mais on sait que ça va toucher beaucoup les mouvements des personnages. Donc, on parle qu'il va y avoir de plus que 1000 nouvelles animations pour les joueurs, surtout au niveau du skating. Eux appellent ça le True Performance Skating. Donc, c'est vraiment cette innovation-là. Ils nous promettent aussi un nouveau système d'intelligence artificielle qui fait que le joueur va avoir une conscience plus grande sur la glace, de savoir les positions des autres joueurs, alors qu'auparavant, un joueur avait la conscience juste autour de lui pour savoir s'il y avait des joueurs ou non qui étaient prêts, donc pour son positionnement, aussi savoir quels angles bloquer. Donc, eux, ils nous promettent que ça va révolutionner le jeu. Moi, j'ai hâte de voir parce que NHL, c'est évidemment une série que j'aime, mais un peu par défaut parce que c'est un bon jeu de hockey, mais c'est aussi le seul qu'on a désormais. Il n'y a plus aucune compétition. Donc, est-ce qu'il y a des joueurs de hockey de votre côté, les gars? Ah oui, moi, j'adore. Ça fait depuis NHL 2000, je crois, que je me le procure à chaque année. Puis je dois t'avouer que depuis 2-3 ans, j'hésite à chaque fois à me le procurer. Puis d'ailleurs, il y a un autre ajout que j'ai lu dans la liste qui n'était pas écrit dans ton article. C'était que dans le mode être un directeur général, tu pourrais maintenant faire ça en ligne. Donc, avec plusieurs amis en ligne, vous pourrez être le directeur général et faire votre propre équipe. Puis
compétitionner de cette façon-là. C'est assez intéressant. C'est comme une espèce de pool de hockey en ligne. C'est une ligue. Finalement, ça devient une ligue en ligne. Donc, carrément un pool, t'as raison. Ouais. Je n'ai pas inscrit parce que je savais pas si les joueurs fans de NHL allaient y voir un intérêt. Mais vu que t'en parles, je suis content parce que ça montre que oui, effectivement, qu'il va avoir un intérêt. Sur le chat, il y a... Crawl77 qui nous demande si NHL 13 sera sur Vita. C'est pas annoncé présentement. Donc, les sources officielles nous parlent d'une version Xbox 360 et PS3 dans le communiqué officiel du côté de EA. Je sais pas s'ils vont annoncer quelque chose sur Vita bientôt, mais honnêtement, à l'étape où est-ce qu'on en est, on est à 6 mois même pas du lancement du jeu, j'en doute fortement. Donc, je pense qu'il va falloir attendre la version 14 pour peut-être espérer avoir une version sur Vita. Donc, désolé. Si on fait NHL, ouais, moi aussi, j'adore NHL. Mais oui. Je pense que je l'achète à chaque année, plus pour avoir la mise à jour des équipes, tu sais, que pour les innovations. Parce que souvent, si tu restes avec la version antérieure, ben, t'as pas les, je pense que les mises à jour se font plus, là, les échanges et tout ça. Non, c'est désactivé à partir de l'été, quand la saison se termine. Ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est surtout pour ça, parce que c'est ça, il n'y a plus bien d'innovation, mais en tout cas, on va voir avec le 2013. Là. Ben, ils nous promettent un changement de gameplay incroyable. Allez, on va lui donner une chance. Le true skating. Le true performance. Je vais recommencer ça. True performance skating. Je vais essayer de pratiquer mon anglais un peu. J'ai une entrevue à donner en anglais dans deux semaines. Ça sera pas fameux, mon affaire. Donc, c'était ça pour NHL 13. Dernière nouvelle du jour, l'édition ultime de Borderlands 2. Qui devrait paraître bientôt. Nouvelle d'Anthony cette fois. Mais oui, ça fait déjà un certain moment que cette version a été annoncée, mais on n'en connaissait pas vraiment beaucoup sur le contenu. C'est vraiment la version à 149,99 que vous pouvez avoir. On peut déjà le précommander chez EB Games. Parmi ce qui est possible d'obtenir avec ça, il y a le jeu, évidemment, une réplique d'un coffre de trésor de Borderlands, qui est comme vraiment la grosse ajout dans cette... dans cette collection. La figurine à tête branlante de Marcus Kincaid, puis bon, il y a un paquet d'autres ajouts. Outre tous ces ajouts-là, ben, si vous précommandez le jeu, vous pouvez avoir accès au Premier Club, de Borderlands 2. Ça, on n'en connaît pas beaucoup, mais j'imagine que ça va ressembler au club exclusif qui avait été sorti pour Duke Nukem Forever. Outre ça, on pourrait avoir une clé en or qui va permettre de débarrer un coffre contenant des items très rares, Il y aura une relique de chasseur de trésors qui va permettre d'améliorer nos chances de trouver des meilleurs items. Et puis aussi, il y aura les fusils en or de Gearbox qui vont donner un ensemble de fusils pour déjà entreprendre notre quête un peu avantagée sur les autres. Puis finalement, il y aura un exclusif à EB Games qui va être le dôme du massacre des créatures. C'est-à-dire que ça va être une espèce de gros dôme dans lequel on va trouver les créatures les plus puissantes du jeu. Puis ils vont juste venir en vague, puis il va falloir les éliminer, puis les items qu'on va obtenir, on pourra les ramener dans notre partie principale. Ce mode-là, est-ce qu'il est disponible dans le jeu au complet ou il faut absolument la version collector pour y avoir accès? Ce mode-là, c'est vraiment exclusif à EB Games. Je suis pas certain si c'est juste dans la version ultime, mais je pourrais vérifier. Ouais, ben en fait, on viendra peut-être avec l'information dans la nouvelle écrite à ce moment-là. Et puis, moi, c'est sûr que je trouve ça plate un peu que ça soit réservé à EB Games. Je commence à trouver qu'on prend les joueurs un peu pour n'importe quoi quand que si tu achètes le même jeu dans tel magasin, on va te donner tel bonbon. Puis si tu l'achètes dans l'autre magasin, ben c'est tel bonbon que tu vas avoir. Ça enlève un peu le choix au consommateur à un moment donné de faire affaire avec la compagnie que ça y tente. Moi, personnellement, j'adore les services de EB Games en ligne parce que je trouve qu'ils ont un site qui est super bien fait puis un compte Twitter, disons-le, qui est très actif, vraiment axé vers les joueurs. Mais en magasin, ben, c'est une autre expérience. C'est une expérience que j'aime un peu moins, en particulier ici à Rimouski avec notre gérant de magasin qui prend un petit peu trop de café, je pense. Merci Anto pour cette nouvelle. C'était le tour des nouvelles du Royaume pour cette semaine. Et cette fois, on passe à la chronique, notre spécial de Diablo 3. Diablo! Yeah.
De retour, je ne sais pas si vous aviez eu le temps d'écouter la fin de la chanson. C'est difficile pour moi, en fait, de mon côté, les chansons, je les entends pas. Je peux pas les faire entendre, je fonctionne pas avec une console, puis je suis pas super bien équipé. Mais enfin, au moins, on le fait live, puis vous pouvez nous entendre. Fait que c'est déjà ça. Diablo 3, j'imagine que si vous êtes avec nous ce soir, c'est parce que vous vouliez en entendre parler. Et puis, c'est parce que vous vouliez savoir si ça valait la peine de l'acheter ou non. Et peut-être même de savoir si ça allait fonctionner sur votre vieux Mac. Ça, je peux pas vous répondre parce que j'ai pas les spécifications de votre appareil, mais la personne en question, tu me les enverras puis je te le dirai si ça fonctionne ou non. On va y aller avec Diablo 3, en fait. Je voudrais qu'on parle avant toute chose, avant qu'on tombe dans le scénario, dans la qualité du jeu ou dans les classes que vous avez essayé. Le lancement de Diablo 3, c'est quand même fait d'une manière un peu difficile. Et je m'explique. On sait que maintenant, Diablo 3 est un jeu, même si vous le jouez solo, un jeu qui se passe entièrement en ligne. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que même si vous désirez jouer solo, vous avez besoin d'une connexion Internet constante pour jouer le jeu. Plusieurs raisons sont derrière ça. Évidemment, on ne cachera pas que Blizzard veut probablement contrôler les copies s'ils sont valides ou non avec ça. Donc, c'est un système de DRM. Le DRM qui est un Digital Right Management. Il y a aussi le fait des fonctionnalités qu'eux veulent apporter au jeu. Donc, il y a une boutique qui va être bientôt disponible, bientôt lancée, où est-ce que vous allez pouvoir acheter des vrais articles avec du vrai cash. Donc, vous allez pouvoir mettre de l'argent dans le système, être capable d'acheter des articles in-game. Ça, c'est pas sorti encore. Je sais pas comment ça va fonctionner. J'espère qu'on pourra pas trop griller nos personnages avec notre argent comme ça, parce que sinon, ça va vraiment débalancer le jeu. Il y a aussi le fait que Diablo 3, comme il est en ligne, ben ça, y a un côté qui est plus positif, c'est que le système de chat de Battle.net est toujours disponible en ligne. Donc, lorsque vous avez des amis qui jouent dans leur partie, vous les voyez qui sont en ligne, vous pouvez discuter avec eux, qu'ils soient dans Diablo 3 ou dans un autre jeu de Blizzard, par exemple StarCraft 2 ou World of Warcraft. Et puis, vous pouvez les inviter d'un seul clic dans votre partie à vous. Donc, pour continuer votre partie en mode coopération. Ça, c'est vraiment bien pour l'avoir essayé. Puis, enfin, la dernière partie, ben, c'est comme tout se passe en ligne. Les sauvegardes sont aussi en ligne. Donc, ça, c'est un côté que j'aime aussi parce que je peux me permettre, par exemple, de jouer sur mon ordinateur au bureau sur l'heure du dîner. Et lorsque j'arrive le soir à la maison, sur mon ordinateur à la maison, je peux continuer ma partie où est-ce qu'elle était rendue de manière totalement transparente. Ceci étant dit, je veux faire un tour de table pour savoir qu'est-ce que vous pensiez de cette obligation de connecter à Internet, puis des problèmes que ça a occasionné au lancement, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de connexion au lancement à cause de la masse de joueurs qui essayaient tous de se connecter en même temps. Je vais aller avec Eric en premier, tiens. OK, mais moi j'ai trouvé ça pas si pire. OK, bon, c'est ça, à 3h01, j'étais là pour pouvoir jouer. Puis c'est ça, on n'a pas pu jouer avant 3h45. Sauf que je me rappelle le lancement de World of Warcraft, qu'on a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Puis ça l'avait été pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, là, qu'il y avait des files d'attente, puis des files, puis ça prenait une heure, puis tout. Mais ça, après une heure ou deux, il n'y avait plus vraiment de file d'attente. En tout cas, moi, j'en ai pas rencontré. Là, c'est juste les 45 premières minutes que là, c'était complètement bouché. Mais ils ont vite réagi, je trouve, par contre, à rajouter des serveurs. Ils ont fermé leur site Internet. Là, je pense que ça facilitait les choses aussi. Puis, je trouve qu'ils ont agi rapidement là, quand même. Là. Fait que malgré les désagréments du lancement, là, ils ont bien réagi, je trouve. Oui, mais en même temps, je vais jouer l'avocat du diable. Est-ce qu'on aurait eu connu ces problèmes-là si le jeu n'avait pas été en ligne obligatoirement? C'est sûr qu'on n'aurait pas eu ces problèmes-là. Sauf qu'on se rappellera tous, là, bon, à la fin de Diablo 2, là, quand ça commençait à être moins populaire, tout le monde ils dupaient les Surge, là, les Ring of Jordan. Là. Bon, ben, tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup de hackers, beaucoup de tricheurs. Puis peut-être qu'eux, ils veulent mettre ça juste en ligne pour mieux contrer les tricheurs. Là. Fait que c'est un mal pour un bien. Je veux dire, c'est comme un investissement à long terme, si on veut. Tu sais, ça va finir par nous rapporter à tout le monde. Non? Non, c'est vrai. C'est une façon de voir les choses aussi. Puis, on se cachera pas qu'il y a quand même certains services qui sont associés à ça. Je vais aller du côté d'Anthony pour savoir qu'est-ce que tu en penses, Anto. Ben, moi, j'ai pas vraiment eu de problème parce que je me suis pas connecté à 3 h du matin. Moi, j'ai plutôt attendu à 6 h du matin. Donc, j'ai un peu attendu. Mais
Écoute, moi, c'est vraiment un problème que j'ai complètement passé par-dessus. Je sais pas pour quelle raison. J'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, moi, j'ai un problème. J'ai le CD français, ce qui a fait en sorte que je pouvais pas me connecter. » Bon, c'est sûr que, comme Eric dit, de toute façon, Diablo 2, tout le monde se connectait à Battle.net vers la fin. Presque plus personne joue en single player. Je comprends que, par contre, qu'il y a beaucoup de joueurs tiennent encore à jouer en mode solo, surtout si tu peux pas du tout te connecter. Ça peut quand même être assez frustrant pour quelqu'un qui vient de payer le jeu 60$. Effectivement, puis ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue sur YouTube d'un fan qui finalement a envoyé pratiquement un cri du cœur sur Internet à Blizzard, comme quoi qui était vraiment déçu. Puis on voyait que c'était un très, 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 très gros fan, hein, et puis qu'il avait l'impression d'avoir été abandonné. Peut-être que c'était un petit peu trop intense, mais effectivement, sur le fond, c'est sûr que si on veut jouer solo, et puis qu'on n'est pas capable parce que les serveurs sont occupés, c'est un peu frustrant à la limite. Mais est-ce qu'il y avait annoncé avant que ça allait être seulement en ligne? Je me rappelle pas. Oui, on savait déjà. On savait déjà que ce jeu-là serait doté d'une connexion Internet obligatoire depuis quelques mois déjà. Mais c'est sûr et certain que quand le jeu est sorti puis que l'affluence massive a bouché un peu l'entrée. En fait, c'est le système de connexion qui fournissait pas. C'est pas nécessairement les serveurs de jeu qui étaient complètement surchargés, mais c'est le système qui permet de valider que ton compte et ton mot de passe, finalement, qui lui a bouché, qui lui recevait trop de demandes de manière simultanée. Donc, la fameuse erreur 37 là, que des gens ont vu beaucoup. De mon côté, j'ai eu une erreur aussi de la 315-300, qui est une erreur plus locale sur mon PC. Mais quand même, c'est sûr et certain que il y a certains avantages et certains désavantages. D'ailleurs, il y a Furgan1289 sur le chat qui nous parle que peut-être dans une dizaine d'années, on sera plus capable de jouer à Diablo 3 en solo parce qu'ils vont peut-être fermer les serveurs aussi à ce moment-là. Ce qui est vrai, ce qui est totalement vrai, parce que ce jeu-là, sans fonctionnalité de serveur, ne fonctionne plus du tout. Donc, ça me fait penser à la chronique un peu, je sais pas si vous allez être d'accord, mais la chronique de Ben Dageek sur le blog de Monsieur Net récemment, qui parle qu'aujourd'hui, mais peut-être qu'on n'achète plus les jeux, mais qu'on les loue. Peut-être que c'est une façon de voir les choses aussi. Il y a peut-être raison. Là, du côté de Mathieu, tiens. Oui, ben moi, je trouve que c'est quand même une bonne idée en tant que telle sur papier, mais c'est parce qu'ils ne sont pas capables de l'appliquer comme il faut. Parce que si il n'y en avait pas le problème au lancement comme il y en a eu, le monde en aurait vraiment beaucoup moins parlé des problèmes de serveur ou qu'on doit être connecté en ligne tout le temps. Surtout, je trouve, justement, parce que tout le monde a eu de la misère, que là, il y en a beaucoup qui en ont parlé. Puis il y a beaucoup de monde aussi qui ont descendu la note du jeu juste à cause du fait qu'ils ne pouvaient pas se connecter. Effectivement. Puis à ce moment-là, tu sais, peut-être que les notes auraient été justement meilleures si tout aurait fonctionné correctement dès le début, puis peut-être qu'on n'en ferait pas un cas tant que ça avec ça aujourd'hui. Non, c'est vrai, c'est un bon point. Sauf que au niveau des notes sur des sites comme Metacritic, c'est justement qui a fait le sujet d'un texte d'opinion de ma part cette semaine. Il y a aussi l'aspect, je vais réemprunter encore une expression qui ne m'appartient pas, l'aspect geekanal. Dans le fond, les gens qui n'ont même pas essayé le jeu, qui sont déjà prêts avant même la sortie du jeu, à le bâcher puis à lui rentrer dedans de manière très solide parce que c'est des fans qui sont un peu trop intenses. L'expression de Benoît. Je l'aime ton expression, Benoît, honnêtement. Mais les gars, vous attendiez. Tu sais, je veux dire, le monde s'attendrait-tu vraiment à ce que à 3h, 1 minute, il allait se connecter sans problème? Tu sais, je veux dire. Tu sais, quand nous, on s'est l'année, on s'attendait là, à ce que, tu sais, je veux dire, les jeux de Blizzard, n'importe quel jeu, sur des serveurs comme ça, ça fait toujours ça. Je veux dire, le monde, était-tu vraiment surpris qu'il y ait des problèmes de connexion au début? Ou? Ben, en fait, j'ai l'impression que oui, que les gens pensaient justement que ça allait être connecté de manière que c'est super fluide, parce que Blizzard, à quelque part, aussi, ont une expertise au niveau du jeu en ligne très à l'avant-garde comparativement à tout le reste du marché. Selon moi, sont en avant énormément de Electronic Arts, sont en avant de Ubisoft. Ça fait des années, ça fait déjà une dizaine d'années que le réseau Battle.net existe, et voire même plus, qui avait été lancé, soit dit en passant, justement pour jouer à Diablo. Furgan, oui, j'ai bien dit Guy Canal tout à l'heure. Mais c'est ça. Puis justement, les gens sur le chat nous disent Diablo 2, lui, va toujours marcher parce qu'il n'y a pas besoin d'être connecté à Internet. Puis aussi que Diablo 3, ce ne sera pas nécessairement
Très, très bon pour le rétro gaming. Lorsqu'on va être rendu dans une 10, 15 ans ou peut-être 20 ans, lorsqu'on va vouloir rejouer ce jeu-là. Concernant les jeux PC, par exemple, je vais peut-être apporter un petit bémol, c'est que le rétro gaming sur jeu PC n'a jamais été très, très super non plus parce qu'il faut absolument être capable de rendre le jeu compatible sur son système d'exploitation. Or, on ne sait pas dans 15 ans si les systèmes d'exploitation vont avoir encore une approche rétro-compatible avec les systèmes d'aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, c'est sûr et certain, comme c'est des jeux PC, ben, il faut absolument qu'on se garde un petit bémol de ce côté-là parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec ça. Mais si des sites comme Good Old Games peuvent continuer d'exister dans les prochaines années, on pourrait quand même s'attendre à voir un peu de rétro-gaming comme on peut le voir avec le site, là. Comme par exemple, récemment, on pouvait s'acheter les anciens Fallout, le 1, le 2. C'est quand même des jeux qui datent pas d'hier. Non, effectivement. Puis même à la limite, on parle de Diablo. Même à la limite, Diablo 2, on peut le racheter aujourd'hui en version collector qui vient avec son extension. Et souvent, ces jeux-là ont été... parfois ont été réécrits pour les systèmes d'exploitation récents, ce qui était le cas pour Diablo. Donc, le jeu a été réécrit en partie pour être rendu compatible à partir des systèmes sur Windows Vista, donc la base qui est utilisée actuellement pour Windows 7. Donc, c'est pas du vrai rétro gaming parce que c'est pas la vraie copie originale, mais le jeu que tu peux racheter aujourd'hui de Diablo 2 est compatible avec ton système d'exploitation. Donc, encore là, je pense que c'est quand même un gros débat là-dessus parce qu'à un moment donné, moi, ce que je trouvais, puis ce que je soulevais comme point dans mon billet que j'ai écrit cette semaine, c'est que les joueurs, on est un drôle d'animal, le joueur commun. Hein? Le joueur commun veut être capable de ne pas payer cher, veut être capable de jouer en ligne, veut avoir une tonne de nouvelles fonctionnalités, mais de l'autre côté, il veut pas nécessairement être obligé que la compagnie vérifie son jeu, il veut pas être obligé d'être connecté à Internet pour avoir accès à ces services-là. Donc, à quelque part, je trouve que c'est un peu contradictoire parce que, en tout cas, c'est mon point de vue, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais comme le PC gaming, mais les joueurs PC payent quand même vraiment plus cher que la majorité des joueurs des autres consoles pour jouer. Donc, je pense qu'on peut un peu s'attendre à ça. Je sais pas comment expliquer, mais on paye comme... les gens achètent littéralement un nouvel ordinateur pour jouer à, par exemple, Diablo 3. Donc, je sais pas, je trouve que ça coûte plus cher, donc il faut s'attendre peut-être à des choses un peu différentes de ce côté-là. Là. Peut-être moins de rétro sur les PC que sur les consoles. Oui, ben, c'est sûr que... ben, en fait, je pense que sur PC, le rétro est un peu moins fort pour ça, justement, parce que c'est pas une machine dédiée, mais justement, c'est un PC qui est évolutif et avec un environnement qui est évolutif aussi. Donc, versus un jeu qui, lui, cesse d'évoluer, ça devient un petit peu plus difficile de suivre. C'est un bon débat, les gars. Je pense que ça a valu la peine qu'on en parle. Puis en même temps, ça valait la peine de faire le tour de la question. Je pense que vous voulez... je pense qu'on va peut-être avoir l'occasion d'en reparler aussi dans l'avenir parce que c'est une tendance qui est à la hausse. Ce genre de truc-là. Et puis, à ce moment-là, ben, on va en voir de plus en plus. Puis, c'est sûr et certain que c'est un débat qui va revenir sur la table. Maintenant, Diablo 3, pour de vrai. Là, on va passer du côté sympathique. On va passer du côté agréable du jeu. On va y aller avec le scénario. Pour commencer, juste un petit bain là, pour vous mettre dans l'histoire. Ça commence par une journée ensoleillée. Non, bon, en fait, pas tout à fait. C'est la bande d'entrée, là, si on veut. Bon, le trailer au début du jeu, il présente un vieux monsieur avec une jeune fille qui se dépêche de ramasser un livre parce qu'il dit que la prophétie est en train de se réaliser. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Et puis finalement, il tombe une espèce de grosse météorite directement dans la chapelle où est-ce qu'eux se trouvent. En fait, c'est une cathédrale. Et puis là, c'est tout pète. Le monsieur disparaît. On ne sait pas ce qui est rendu. La fille, il faut qu'elle se sauve. Et c'est là que votre personnage arrive. Donc, vous arrivez en ville là, où est-ce que cette fille-là se trouve. Et puis, la ville est assaillie de morts vivants, de squelettes et plein de créatures maléfiques comme ça. Vous aidez les gardes à...
si vous voulez, à maintenir la ville debout. Et puis là, c'est là qu'on vous explique, vous rencontrez Léa, qui était la fille qui était dans la cathédrale. Elle explique que son grand-père, qui s'appelle Kane, est disparu. En fait, c'est pas nécessairement son grand-père, mais c'est le personnage qui s'appelle Kane, est disparu. Elle veut le retrouver. Donc, c'est dans vos premières missions. Vous devez repartir pour aller retrouver Kane, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec lui. L'histoire commence comme ça, mais ça va beaucoup plus loin. Je ne suis rendu qu'à l'acte 2, puis c'est passé déjà beaucoup de trucs dans l'histoire. C'est vraiment un scénario qui, je trouve, quand même assez accrocheur. C'est qui est rendu plus loin dans vous, les gars, au niveau de vos niveaux pour l'histoire, savoir comment ça tourne? Ça va quand même bien, je pense. Hein? C'est qui était rendu à L? Ouais, c'est moi. Moi, je suis rendu le plus loin. J'ai terminé le jeu les deux premiers niveaux de difficulté. Okay. Puis je dois dire que le scénario est vraiment, moi je le trouve intéressant, bien qu'un peu prévisible, mais bon, je veux pas en dire plus. C'est un peu cheesy, ça, faut l'avouer, là. C'est un scénario qui est quand même, on beurre épais, là, dans certaines situations. Donc c'est sûr que ça donne des retournements de situation qui sont prévisibles à ce moment-là. Tu sais, des films américains, on a déjà vu. Oui, puis ce que je conseille aux gens qui commencent à jouer, c'est vraiment de prendre le temps de parler à toutes les personnes, pas juste écouter les cinématiques, mais vraiment de cliquer sur les personnages, puis écouter leurs discussions, ce qu'ils ont à dire de plus, parce que des fois, vous allez découvrir des petites parties de l'histoire que vous auriez peut-être passé par-dessus, sinon. Effectivement, puis de ce côté-là, je suis d'accord avec toi aussi, parce que je trouve qu'on profite tellement plus d'un jeu comme ça, qui est aussi quand même orienté vers une certaine histoire, qui est quand même... L'histoire, même si on dit qu'elle est cheesy, est quand même intéressante d'une certaine manière à suivre. Puis lorsque on prend le temps de lire les dialogues avec les personnages, puis on les ferme pas, ben on profite plus du jeu aussi. On met plus d'heures dans notre jeu aussi en même temps. Puis on rentabilise un peu plus à ce moment-là. Exactement. Oui. Du côté du scénario, c'est un peu ça. Moi, personnellement, ça m'accroche, même si c'est cheesy. Tu sais, je veux dire, il y a des films comme ça ou des jeux que le scénario, on sait que ça n'a pas d'allure, mais c'est pas grave, on accroche quand même. Puis Diablo 3, ça fait partie de ça. Côté visuel, c'est quand même très intéressant, quoique je m'attendais à plus. Mm-hmm. C'est un jeu qui n'est pas laid, mais c'est pas un jeu qui fait « Wow, c'est dormant beau Diablo 3 », tu sais. Les cinématiques sont écœurantes. Bon, ça n'a pas vraiment une grosse amélioration, je trouve, que depuis Diablo 2. Là. Ben, peut-être la marche n'est pas très haute. Non, c'est ça. La marche n'a pas l'air si haute et pourtant, ça attire quand même une certaine énergie au niveau du PC, on s'en rend compte. Mm-hmm. Mais c'est sûr et certain que le fait d'avoir mis ce jeu-là en ligne, garder le graphisme un peu plus bas, ça aide beaucoup au niveau de la connexion et puis que le jeu tourne mieux. Mais sinon, non, je le trouve quand même joli. C'est par exemple, les effets de fumée sont super bien réalisés, les effets de feu, les effets de glace sont super bien faits. Là, c'est parce que c'est certains personnages qui peuvent faire de la magie aussi, donc c'est ça, c'est les effets de magie sont quand même pas pires. Les cinématiques, sérieusement, lorsqu'on passe d'un acte à l'autre, et la cinématique d'introduction sont écœurantes. Ça, c'est très, très bien réussi. Ça vaut la peine de les regarder et de les regarder une autre fois juste pour pouvoir les apprécier. Puis au niveau, tu sais, tous les effets de luminosité du jeu, des choses comme ça, ça c'est très bien réalisé aussi. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter au niveau du graphisme puis des sons. Oui, moi je trouve que c'était vraiment très comme interactif dans le sens que, mettons qu'il y a un ennemi dans un donjon, ben il doit passer à travers un cadre de porte pour te rejoindre, mais lui il va pas juste passer par la porte comme dans le 2, il va littéralement détruire le mur pour se rendre à toi, ce qui est... Ben, il va vraiment élargir le cadre de porte, là, ce qui est vraiment spécial. Ouais, ben l'environnement est partiellement destructible aussi. Mm-hmm. Donc, ça, c'est pas tout, là. C'est pas tout qui est destructible comme ça. Mais il y a certains endroits où est-ce que, oui, effectivement, les ennemis peuvent passer ou détruire des trucs. Et même l'introduction de certains ennemis aussi, des fois, ça pète, là. Si je pense à un des premiers demi-boss là, qu'on croise dans le jeu, qui rentre par la grande porte, comme on dit. Hein. Ah oui. La porte, elle explose et pas rien qu'un peu. Niveau de la jouabilité, ça ressemble énormément à Diablo 2. Donc, si vous avez joué aux itérations précédentes, donc c'est un hack and slash. Donc, tout se pilote majoritairement avec la souris. On clique sur les personnages pour activer les attaques. On clique dans l'environnement pour déplacer notre personnage. Donc, on clique. Allô, les tendinettes, hein? Bon.
Ouais. Mais honnêtement, par contre, même si on clique énormément comme ça, le contrôle, la jouabilité de ça, ça fonctionne très bien. Donc, c'est assez précis. Les attaques sont pas difficiles à envoyer, sont pas difficiles à paramétrer non plus aussi. Mais je pense qu'on va en revenir un petit peu là-dessus tantôt, parce que il y a beaucoup de choses qui ont changé en dessous de la jouabilité, on va le dire comme ça. Donc, tout ce qui est au niveau de la personnalisation du personnage, de son arbre de compétences, de ses attaques qu'il peut faire, où est-ce qu'on choisit, ça, toute la mécanique a vraiment été changée. Donc, on s'éloigne du RPG plus classique vers peut-être un nouveau genre. Là. Je ne sais pas si ça va être une tendance que les prochains RPG vont être comme peut-être. Ça. Mais plus d'action peut-être ou à ce moment-là. Donc, peut-être moins de casse-tête au niveau de la mécanique de jeu. Moi, ça ne me déplaît pas, mais c'est sûr et certain qu'il y a une base de fans qui, eux, ne sont pas nécessairement contents de ça parce qu'eux aiment avoir beaucoup de possibilités. Puis, ben, en simplifiant, ben, ça donne moins de possibilités. Ça, c'est, on ne se cachera pas de ça non plus. Moi, si je peux rajouter un petit truc que les gens savent probablement pas, que j'ai découvert, c'est que pour ceux qui ont joué à StarCraft 2, quand on utilise la souris, le bouton du milieu, on pouvait se rapprocher, avoir une vision plus proche du jeu. Mais si vous faites Z dans Diablo 3, on peut avoir une perspective différente de notre personnage, ce qui peut amener quelque chose d'un peu différent. Ah, ça, je savais pas, vois-tu. C'est quelque chose que j'avais pas noté, mais je vais l'essayer prochaine fois que je vais jouer à Diablo. C'est pas ce soir. Dans les options aussi, tu peux régler que dès que tu cliques sur ton inventaire, ça fait un zoom sur ton personnage aussi, automatique. Là. Fait c'est que cool. Tu vois les nouveaux équipements que tu mets sur toi. Là. Que tu appliques, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est quand même... Vois-tu, c'est le genre de petites options que je trouve, c'est du détail. C'est pas grand-chose, mais je trouve ça quand même intéressant. Tu sais, quand on sent que tout le jeu dans son ensemble est bien réalisé, puis qu'on rajoute des petits détails comme ça, moi j'aime ça. Je trouve ça quand même le fun. Dans les options, c'est intéressant justement d'aller voir sur le menu d'interface, tu peux rajouter les barres de vie des ennemis. En tout cas, tu peux jouer avec tout ça. Là, tu peux jouer un peu avec ton interface. Là. Mm-hmm. Fait que c'est intéressant d'aller voir là-dedans justement puis explorer ce que tu peux rajouter comme le zoom ou des choses comme ça. Là. C'est tout là-dedans que tu peux modifier ça. Oui, puis peut-être aussi que Blizzard, dans un avenir prochain, va s'ouvrir un peu plus à la communauté et permettre l'installation de plugins un peu comme dans World of Warcraft. Et puis, à ce moment-là, ben, décupler les possibilités du jeu aussi. Ça, j'ai hâte de voir si ce genre de truc-là va arriver avec Diablo 3. Mais ce n'est que spéculation. Il n'y a absolument rien de fait de ce côté-là encore. Mais ça pourrait être le fun, je pense. Ah oh oui. Les classes. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu des classes que vous avez jouées récemment. Ben, en fait, en avez-vous essayé plusieurs? Je vais aller du côté de Mathieu, parce que Mathieu, t'as pas eu l'occasion encore d'en reparler beaucoup. Oui, j'ai essayé plusieurs classes. Bon, en fait, j'en ai essayé deux. J'ai essayé le moine et le sorcier. Mm-hmm. Mon moine, je l'ai rendu level 31 et mon sorcier, je l'ai rendu level 18. Et des deux, c'est vraiment deux jouabilités différentes. Vraiment, le moine, c'est plus un tank. Tu rentres dans le tas et tu frappes tout ce qui bouge. L'autre, wizard, le sorcier, c'est plutôt tu restes un peu plus loin, tu envoies des sorts. Tu essaies de pas trop te faire frapper parce que tu as moins de défense. C'est vraiment une jouabilité différente que j'ai pu essayer avec les deux. C'est drôle parce que je vais te laisser aller, mais c'est les deux classes que j'ai essayé. Je n'ai essayé juste deux puis c'est les deux mêmes. Ah. C'est mon personnage principal, finalement, c'est le sorcier. Et le moine, je l'ai essayé beaucoup moins longtemps, jusqu'au level 10, mais c'est comme ça. Mais je te laisse aller. Toi, ben, gars, si tu y vas avec le moine, justement, pour commencer, parce que tu le joues plus longtemps, qu'est-ce que tu apprécies et que tu aimes moins avec ce personnage-là? Oui, j'ai joué avec le moine plus longtemps parce que j'avais commencé le sorcier après, mais j'ai vraiment plus aimé le moine, j'ai moins aimé le sorcier, fait que c'est bien que j'en parle plus. Parce que moi, normalement dans les jeux, je joue tout le temps un tank, fait que là, je me suis dit, je vais essayer quelque chose d'autre un peu différent. Le moine, c'est un tank, mais avec de la magie. Donc, pas seulement avec les armes, mais tu peux envoyer des sorts, tu peux healer le monde. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Ce que j'ai un peu moins aimé avec le personnage... c'est justement vu le fait que ce soit un tank des fois. Ok, donc? Ben, si je peux rajouter, parce que moi aussi j'ai joué un moine, puis je trouve que ça joue vraiment un rôle de support, parce que moi je joue toujours avec beaucoup d'amis, puis je leur dis tout le temps, restez proche, parce que de un, moi je peux prendre tout le dommage que le boss fait, mais en plus je peux... j'ai une habilité qui peut healer, ben excusez-moi, qui peut soigner les gens autour de moi, donc... À chaque fois, ils se rapprochent un peu plus, même si en principe, ils devraient rester à distance du boss. Je leur dis, OK, vous manquez de vie, ben rapprochez-vous de moi, puis je vais vous envoyer ça, je vais vous envoyer un heal.
Ouais, mais c'est pas mal le rôle, un peu comme ça aussi, du moine, effectivement. Puis il est décrit comme ça lorsqu'on le démarre. Moi, j'ai moins aimé ce personnage-là, peut-être justement parce que je l'ai joué tout seul. Ben, en fait, non, c'est une partie coop que j'ai démarrée, puis j'ai fait un moine. Mais je sais pas, moi, ce personnage-là, je trouvais que il y avait pas rien qui... tu sais, un personnage qui shine, je sais pas si vous voulez... Tu sais, un personnage qui brille dans une aventure. Ce personnage, à un moment donné, qui va avoir une attaque... canon qui, celle-là, va être définitive et puis qui va terminer un joueur. Quelque chose qui est resplendissant. Puis je trouve que le moine n'a rien, justement, qui brille comme ça. Il n'y a pas rien de resplendissant. Il n'y a pas rien nécessairement de mauvais, mais je trouve qu'il n'y a rien qui le fait sortir du lot plus qu'un autre, puis qui fait que ça, j'ai vraiment le goût de jouer le moine. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ben moi, au départ, je trouve, pour commencer, parce que moi, j'ai jamais joué aux autres Diablo, honte à moi. Et là, quand je l'ai commencé, j'ai pris le moine et je trouvais qu'il allait bien pour commencer, justement, qu'il était pas nécessairement fort dans quelque chose en particulier, mais il était bon dans pas mal d'affaires. Sauf que je me suis rendu compte, à force de jouer avec mes amis, qu'eux autres, leurs personnages, en avançant, il y avait par exemple le Witch Doctor puis le Demon Hunter, ils avançaient puis les autres ils devenaient plus forts puis ils m'ont même dépassé en étant des levels moins hauts. C'est que le moine, je trouvais que rendu plus loin, il était justement moins fort puis ses capacités d'être bon dans tout, ça le désavantageait un peu. Mais je suis d'accord avec toi, c'est juste que la différence, c'est que je trouve que oui, je fais moins de dommages avec mon moine, mais je suis vraiment comme intuable presque, comme ça prend vraiment... ça prend un boss qui me frappe vraiment par chance, qu'il y a deux gros coups sur moi, que je me fasse geler ou quelque chose comme ça par un autre personnage pour que je meure. Donc, puis aussi, moi, je suis d'accord avec toi, par exemple, Maxime, que le moine, c'est pas une classe qui est super intéressante. Moi, je l'ai vraiment joué un peu par défaut parce que mes autres amis avaient déjà choisi deux autres classes, puis là, il m'en restait trois, puis j'ai... En fait, mes trois autres amis avaient choisi d'autres classes, donc il me restait le barbare et le moine, puis ça me tentait pas trop de jouer un barbare, alors c'est un peu par défaut que j'ai joué le moine, mais je suis d'accord, à part des kicks puis des punches, il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant. Oui, ben effectivement. J'ai juste un commentaire rapide, c'est drôle parce que j'ai Frank Courchaine sur le chat qui dit « Ma blonde demande si tu te pognes le moine ou le moineau », donc oui, je peux lui dire que c'est pas drôle, non, c'est pas... ça vient de Twitter. On va passer à une autre classe maintenant. Je trouve que le moine, on a quand même parlé beaucoup. Tu parlais, Mathieu, justement, que ton autre classe que tu avais essayé, c'était le sorcier. De ce côté-là, qu'est-ce qui t'a accroché? Oui, ben le sorcier, j'aimais. J'ai un peu plus de misère avec. C'est pour ça que j'ai fini par changer parce que je sais pas, j'étais pas bon avec. Puis j'avais vraiment de misère, je mourais souvent. Fait que je sais pas, parce que c'est un sorcier, j'aimais que c'était des sorts et tout, mais je trouvais que c'était beaucoup des sorts de rapprocher au début que j'avais. J'aimais pas ça, le fait de devoir être proche des ennemis en étant un sorcier. Non, c'est pas un avantage, normalement. Non, et aussi, j'ai vu qu'il y avait des attaques random, que j'appelle, un peu aléatoires, que ton ennemi peut être devant toi, tu lui envoies un sort, mais le sort, il va dans tous les sens, puis tu le pognes pas, finalement. Oui. Moins aimé ça. Oui, effectivement. Ça, c'est comme une des premières attaques électriques, en fait, qu'on peut sélectionner. Et puis, oui, elle est random. C'est pas directement devant soi qu'elle se fait. Donc, c'est bon quand il y a plusieurs ennemis autour, parce que la direction où est-ce que ça va prendre, ça peut en toucher plusieurs en même temps. Mais sinon, si on veut vraiment viser un personnage précis, c'est pas nécessairement une bonne chose. C'est pour ça aussi que le jeu, en même temps, propose tout le temps une attaque principale puis une attaque secondaire pour qu'on puisse justement pallier le défaut d'une attaque avec l'avantage d'une autre. Puis à part de ça, du côté du sorcier, qu'est-ce qui t'a accroché? Ben, j'ai pas joué longtemps avec, donc j'ai pas vu beaucoup des attaques qu'il y avait par la suite que je débloquais. Mais t'étais quand même rendu niveau 18, tu disais? Oui. Donc, est-ce qu'à niveau 18, tu n'as pas tout débloqué encore, mais presque, c'est ça. Ça commence à arriver pas mal au bout. Oui, il commence à en avoir plus, mais ouais. Je trouve le sorcier, c'était plus un rôle de support aux autres. Que ça, j'aime quand même ça, parce que t'es pas obligé d'être celui sur qui les autres vont dépendre nécessairement. C'est plus une synergie entre tout le monde qui va faire que ça va bien avancer. Non.
Non, c'est vrai, puis dans le même concept, si je peux juste te couper un petit peu, c'est que finalement, tous les joueurs peuvent bien se compléter avec d'autres, là, effectivement, dans le même ordre d'idée, ce qui fait que c'est un très bon jeu qui est coop aussi. Moi, le sorcier, c'est mon personnage pas mal favori jusqu'à maintenant. C'est sûr que j'ai essayé plus le moine et le sorcier, mais il faut que je le dise à la base, là, je suis pas mal un gars qui aime tous les casters. Fait que dans n'importe quel jeu de RPG, généralement, je vais choisir quelque chose qui ressemble à ça, un sorcier, un prêtre, tu sais, un personnage qui fait des sorts. Mais je suis habitué au niveau de la jouabilité à me tenir en retrait, à avoir les trucs de geler les ennemis, de me reculer pour rester plus loin, à bien maîtriser les attaques de propulsion lorsqu'il y a trop d'ennemis autour de moi pour les faire voler un peu plus loin. T'sais. Donc, c'est vraiment une jouabilité que je maîtrise bien, que je suis habitué. Puis avec le sorcier, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Il y a une attaque entre autres, qui est des espèces de missiles d'arcane qui sont lancés, qui est quand même assez dévastatrice. Et puis, je trouve ça quand j'adore ce personnage-là. J'adore la façon qu'il joue. Sauf qu'évidemment, ben, c'est un sorcier. Donc, c'est sûr et certain que s'il y a trop d'ennemis sur le dos, là, la vie descend très, très rapidement. Mais non, moi, c'est pas mal ma classe préférée jusqu'à maintenant. Parce que je trouve que ça bûche, tu sais. J'aime ça, j'aime ça les grosses attaques. J'aime ça tout le dommage que ça peut faire très, très rapidement sur les boss, sur les ennemis, autant en groupe qu'en grosse partie. Donc, j'ai quand même beaucoup de plaisir avec ce personnage-là. Une autre classe vers laquelle on pourrait aller. Toi, Eric, de ton côté, c'est quoi ta classe privilégiée présentement? Moi, j'ai juste joué une classe, dans le fond, dans le bêta, dans le normal, c'est le Witch Doctor, le Fetisher. Mm-hmm. Moi aussi, j'ai toujours été un caster. Puis j'avais envie, puis j'aimais bien le nécromancien là, dans Diablo 2. Puis le Fetisher, c'est un peu l'équivalent dans le fond. Là. Fait que c'est lui que j'avais décidé d'essayer. Et je suis vraiment, vraiment content de mon choix de personnage finalement parce que je fais beaucoup, beaucoup de dommages. Puis j'ai mon. Puis je peux évoquer un gargantuan ou je sais pas trop comment ils appellent ça. Là. Okay. Fait que ça, c'est un espèce de gros tank. Fait que lui, il absorbe le dommage des ennemis. Puis moi, en arrière, ben, je fais beaucoup, beaucoup de dommages là, avec mes Area of Effect. Ben, désolé, mon jeu est en anglais. Puis, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu n'es pas obligé de le traduire. Là. Ça reste que non, c'est bon. Le jeu, c'est possible de jouer en anglais ou en français. Moi, je l'ai installé. C'est le fun. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut l'installer en français et jouer sur les serveurs américains, ce qui est comme pas tout le temps que ça fait ça là, du côté de Blizzard. Là. Ouais, mais, c'est ça. Moi, je l'ai installé en anglais. Ouais. Puis c'est ça, je fais beaucoup d'Area of Effect, puis j'ai réussi à ralentir les ennemis aussi, puis avec mes Area of Effect, ben, tout ça combiné ensemble avec mon gargantuan qui absorbe les dommages, puis tout le nom, ça va super bien pour jouer toute seule, j'ai pas de problème. Puis en groupe, ce que j'adore aussi avec ce personnage-là, c'est que je peux complètement changer mes spells, puis okay. Devenir un autre sorte de bonhomme complètement, puis être quelqu'un de plus support, puis donner des bonus à mes coéquipiers et tout ça, fait que un personnage très versatile. Ouais, mais tu vois, sur le chat, justement, il y a des gens présentement qui parlent de stratégie du jeu. Les gens nous disent qu'il n'y a pas beaucoup de stratégie dans un hack and slash. C'est plus ou moins quand même, parce que je ne sais pas si peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion d'y mettre beaucoup de temps, mais c'est juste que la stratégie, elle se fait rapidement. Donc, il faut mm-hmm. vraiment réagir rapidement, comme par exemple aujourd'hui, j'ai battu le premier... des quatre boss principaux, donc à la fin de l'acte 1. Sans vous dire c'était quoi, je me suis fait tuer quelques fois avant de comprendre vraiment comment est-ce que le boss fonctionnait. Et puis, j'ai changé mes attaques que je prenais à l'habitude pour des attaques que je considérais qui étaient mieux adaptées pour le combat. Et puis là, à ce moment-là, en les utilisant avec parcimonie et au bon moment, j'ai réussi à passer au travers du boss beaucoup plus facilement. Donc, il y a de la stratégie dans un hack and slash. Il s'agit juste de prendre le temps de regarder aussi comme il faut. Là. Ouais. C'est vrai qu'il y a moins... Vas-y. OK, mais si je peux renchérir sur ça, c'est que... Blizzard avait promis d'avoir des batailles un peu comme ce qu'on voit dans World of Warcraft. C'est-à-dire que les boss, il y aurait quand même une stratégie assez
particulière. Puis je sais qu'au niveau normal, on l'a pas vraiment vu parce que, par exemple, si il y avait un mur de feu ou quoi que ce soit à terre, ben à niveau normal, ils font pas beaucoup de dommages. Mais à mesure que tu augmentes dans les niveaux de difficulté, écoute, si tu mets le pied là-dedans, tu meurs automatiquement. Puis d'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'une bataille qui durait 16 minutes au niveau au dernier niveau de difficulté sur Internet. Donc, il y a quand même. C'est quand même difficile à mesure que tu progresses. Il y a quand même du jus puis du morceau à ce moment-là. Ah oui, puis, oui. Justement, tu sais, tu fais référence au feu, ben le fameux boss que j'ai passé récemment, le Butcher, là, pour pas le nommer. Là. Non. Non, c'est spoiler. Le plancher, il est sectionnel. Il y a plusieurs sections à un moment donné durant le combat qui s'allument, qui deviennent en feu, puis il faut pas rester là parce que sinon on meurt. Sauf qu'effectivement, au niveau normal, ben, tu as le temps de te tasser. Tu fais pas exprès de rester là, tu sais, non plus, là. Mais parce que sinon tu vas mourir. Mais ça, c'est une des choses que j'ai dû apprendre dans le combat. Puis ça bouge pas mal de manière aléatoire. En tout cas, j'ai pas remarqué qu'il y avait vraiment un pattern, que ça bougeait toujours de la même manière. Mais il faut avoir l'œil vite pour voir le plancher, voir les déplacements de l'ennemi. Tout le temps watcher sa vie aussi, savoir comment est-ce qu'on est rendu, puis utiliser sa magie. Ben, dans mon cas, c'est comme je suis un sorcier, il faut que j'utilise mon pouvoir d'arcane, donc utiliser ce pouvoir-là aussi avec parcimonie, donc pour être certain que j'en ai assez, puis qu'il y ait le temps de se recharger pour mes prochaines grosses attaques. Donc je trouvais qu'il y avait beaucoup à gérer, puis ça fait partie d'un truc que je trouve quand même assez intéressant au niveau de Diablo 3. Puis je vais vous envoyer ça comme ça, c'est que je trouve qu'il y a une belle jouabilité parce que justement il y a quand même plusieurs petit truc de gestion à faire, mais tout ça se passe excessivement rapidement parce que le jeu a du timing de jeu vraiment rapide. Mm-hmm. Ouais, puis si je peux renchérir là, sur la stratégie, bon, on est tous un peu d'accord pour dire que bon, on a moins de choix à faire là, par rapport à Diablo 2, moins de points de statistiques à appliquer et tout ça. Mais je pense que avec bon, il y a 6 espaces d'habiletés actives, là, plus toutes les runes, plus les habiletés passives. Quand on commence à essayer de tout combiner ça pour faire un build parfait, là, si on veut, eh ben ça commence à être la stratégie. Il faut que tu mettes toutes les bonnes runes avec les bons sorts, puis les bonnes habiletés passives avec les habiletés actives que tu as, tout dépendant d'où tu es rendu, puis tout ça. Fait, il y a quand même pas mal de stratégies là, par rapport à ça aussi. Choisir des items qui vont en fonction du sorte de caractère que tu as. C'est pas parce que t'es un sorcier que nécessairement il faut que tu te mettes des items avec de l'intelligence. T'sais, peut-être que pour toi c'est mieux avec des dégâts critiques ou la régénération de mana. Mais ça dépend du style de jeu c'est que ça. Tu veux donner à ton personnage aussi. C'est ça. Comme moi justement, ben je privilégie beaucoup au niveau de l'intelligence pour avoir plus de magie et des choses comme ça. Puis je mets vraiment aucune emphase sur mon armure. Donc ce que je privilégie, c'est vraiment au niveau de toutes mes capacités magiques. Donc c'est sûr et certain que je suis comme un il y a même une rune ou quelque chose qui s'appelle comme ça, dans juste comme un dragon de papier. Ouais. Donc, je suis très puissant, mais c'est sûr et certain qu'il faut pas que tu te rendes jusqu'à moi. T'sais, si tu réussis à te rendre jusqu'à mon personnage, il y a des bonnes chances que je fasse pas long feu très longtemps. Puis avec les gemmes aussi, ben, tu sais, des fois, est-ce que tu préfères mettre un gemme qui va te donner de l'intelligence, qui va te donner de la capacité à trouver des objets magiques ou, tu sais, c'est tout ça qu'il faut que tu gères aussi, là. Ouais, c'est vrai. Le Magic Find qu'ils appellent. C'est vrai. La bonne nouvelle, c'est que tu peux les enlever maintenant, au moins. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce qu'ils ont changé vraiment, c'est que tu peux plus faire d'erreur dans le jeu. T'sais. Tu peux plus mettre un point dans un spell, puis que là, finalement, ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Ben, tu as juste à changer. T'sais. Tu peux plus vraiment faire d'erreur. Là. Ben, justement, c'est parce que si tu fais une erreur, ben, tu peux te corriger après. Là, y a ouais, pas c'est ça. De ce côté-là. C'est sûr, justement, ça force, ça donne la chance aux joueurs d'essayer plus de combinaisons différentes, alors qu'auparavant, ben, si tu te mettais le doigt dans au mauvais endroit, ben, c'était fini, tu l'avais perdu ton bout de doigt, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. À chaque fois que t'arrivais le moment de monter de niveau puis de placer ton habileté, là, c'était toujours le gros dilemme, là, puis 5 minutes de réflexion, bon, si je le mets là, il arrive ça, parce qu'après ça, c'est fini, tu le perds. Là. Mmh, effectivement. Je sais pas s'il y a d'autres classes qui ont été testées de votre côté. Moi, je peux pas dire beaucoup de choses sur les autres. Le Demon Hunter, est-ce qu'il y en a un qui l'a essayé?
Non, mais je peux peut-être en glisser un petit mot parce que je joue avec un ami qui joue, puis j'ai monté le niveau jusqu'à 51 avec lui. Puis ce que j'ai remarqué principalement, c'est que le Demon Hunter fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages, mais surtout, comme Rick disait tantôt, c'est du dommage Area of Effect, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a autour, tu vas réussir à tuer un paquet de monstres à la fois, au lieu d'être vraiment... Si c'est un monstre, tu vas peut-être faire un peu moins de dommages, mais s'il y a vraiment un gros paquet, là, tu vas faire du dommage massif à l'ensemble. Oui, quand il arrive, 40 ou 50 ennemis à la fois, là, ce qui arrive dans Diablo 3. Très souvent, oui. Oui, c'est ça, c'est régulier. Là, mais bon, ben, vois-tu, c'est intéressant quand même, parce que le sorcier, c'est plus directionnel, je te dirais. Il y a un petit peu de Howell, on va le dire comme ça, oui. mais c'est plus directionnel, sinon la majorité des sorts sont plus spécifiques, donc c'est plus peut-être plus performant justement contre un boss ou quelque chose comme ça, versus le Demon Hunter qui lui va être beaucoup plus efficace justement contre des hordes d'ennemis, sauf que si le boss a une des hordes d'ennemis avec lui, ben là à ce moment-là le Demon Hunter va avoir un certain avantage. Exactement. Ouais. Du côté, après ça, il y aurait juste le barbare qu'on n'a pas parlé, qui est finalement un guerrier assez standard, on va le dire comme ça. Ouais, mais c'est très semblable à ce qu'on a vu dans Diablo 2. Ça aussi, j'ai eu quelqu'un qui a joué, puis c'est vraiment, c'est presque pareil. Là, tu retrouves les habiletés comme Whirlwind. Ouais, Whirlwind. Tu tournes en rond, puis tu détruis tout ce qu'il y a autour. Puis t'as des shouts qui donnent des... comment on appelle des cris qui aident les joueurs dans ton équipe, donc qui donnent par exemple plus de vie à l'ensemble des joueurs dans ton équipe, ce qui est quand même assez semblable à ce qu'il y avait avant. Mais si je ne me trompe pas, le Wizard aussi a des habiletés de Diablo 2 comme Blizzard ou Météor, je pense. Oui, c'est ça, mais c'est assez... ça reste que pour un sorcier, mm-hmm. C'est très commun. Hein. Standard. Ouais. Ouais, c'est assez standard. Tu sais, ouais. C'est un sorcier standard. Dire ça comme ça. Mais c'est moi, en tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup de plaisir avec le jeu. On a fait pas mal le tour des classes aussi. De votre côté, là, on a parlé vraiment beaucoup des qualités, mais c'est quoi les petits accros, les petits trucs là, qui vous agacent? Je vais aller du côté de Mathieu, tiens. Mathieu? Oui. Ah, ok. Je suis encore là. Je dis, oh, vous avez perdu. Oui. Non, c'est ouais, ça, dans le fond, s'il y a tout le temps des petits aspects qu'on aime moins du jeu, des choses comme ça. Toi, c'est quoi qui t'accroche? Les trucs que tu aimes moins ou tu te dis, pourquoi qu'ils l'ont fait comme ça puis qu'ils l'auraient pas fait différemment? Ben, moi, au début, c'était vraiment la difficulté. Parce que j'ai jamais joué aucun autre Diablo, fait que je sais pas si c'était comme ça. Mais le fait de devoir commencer à normal, pas pouvoir commencer plus dur, j'ai pas aimé ça. Parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui va pouvoir mettre des dizaines et des dizaines d'heures pour pouvoir y aller jusqu'au niveau Hell. Et moi, j'ai commencé à normal et j'ai joué avec deux autres amis jusqu'à la fin du jeu. Et on a eu pas vraiment de difficulté à finir le jeu une seule fois. Et ça, j'ai pas aimé ça de devoir commencer par un niveau que je trouvais qui était même easy. Oui, parce qu'en fait, ça, c'est une des grosses critiques du jeu, c'est que le jeu est facile en mode normal, alors qu'il aurait peut-être dû tout simplement l'appeler mode facile, ou encore mieux, ben donner la possibilité aux joueurs de commencer tout de suite au mode difficile, effectivement. Moi, je voyais ça comme un tutoriel, presque. Ben, un tutoriel de quand même plusieurs heures, là. Mais quand même, c'était vraiment, vraiment facile, là, le niveau normal, là. Mais là, j'ai pas terminé, mais jusqu'à date, je suis mort quelques fois, là, même au niveau normal, parce que je suis pas un grand joueur de hack and slash, mais ça reste que, tu sais, je me rends bien compte que le jeu est relativement facile, là, c'est sûr. Mais surtout qu'à plusieurs, quand on ajoute des personnes, les monstres prennent 75% plus de force, mais nous autres, on a comme une personne de plus, donc 100% de plus de force. Donc même à 3, les monstres deviennent presque plus faciles encore que si on était tout seul. On parle du coop. Avez-vous l'occasion de jouer en coop, beaucoup de chacun de votre côté? Ouais, quand même. J'ai joué la majorité du jeu en coop. Ah, ok, quand même. Vu que j'avais fait mon LAN de 11 heures de temps. Oui, c'est vrai, assez intense. Moi, je sais pas si tu vas être d'accord, Mathieu, mais j'ai trouvé que la progression versus la partie solo, la progression lorsqu'on joue notre partie en coop est plus rapide. J'ai trouvé ça plus rapide jouer en coop que jouer en solo. Parce que je vais vous donner un exemple, j'ai joué juste 3 heures. En fait, 2 heures et quart environ dans une partie coop. Où est-ce qu'on a les trois personnages, on a démarré avec vraiment du niveau 1 pour ce personnage-là, pour cette partie-là.
Puis en 2 heures, on était rendu niveau 9. Puis j'avais mis beaucoup plus de... beaucoup plus d'heures. J'avais mis plus d'heures que ça. Plus de temps que ça pour arriver au même niveau lorsque je jouais seul. Puis j'étais encore au niveau normal dans les deux cas. Donc j'ai l'impression que la partie coop, elle monte plus rapidement que la partie solo. Oui, moi aussi j'ai trouvé que ça allait vraiment plus vite. Surtout qu'au début, on a commencé level 11, puis j'ai un ami qui a commencé level 1, puis il nous a rattrapé. Ben ça, c'est normal parce qu'il était un level plus bas, mais il nous a rattrapé très rapidement au même level que nous. Puis même après ça, les niveaux, ils montaient, puis comparativement à tout seul, me rendre... parce que j'ai joué un autre personnage jusqu'au level 18 tout seul, puis ça, ça m'a pris vraiment plus de temps pour me rendre... je pense je me suis rendu en 6 heures au level 18, puis l'autre, ça m'a pris... 18 heures pour me rendre level 31, donc c'est... Donc, mais ton level 31, c'était ta première partie? Oui. OK, parce qu'il y a aussi le fait que dans notre première partie, puis ça, c'est peut-être le fait où est-ce qu'on va plus vite quand on a joué en coop, parce que moi, c'est le cas aussi, c'est que ma partie solo, c'était ma première partie. Donc, celle-là, je prends vraiment le temps de lire l'histoire, d'explorer beaucoup, de faire beaucoup de grinding, comme on dit, de me promener à gauche, à droite, dans choses, vraiment m'assurer que j'ai visité une carte au complet avant de passer au niveau suivant, des choses comme ça. Alors que quand je faisais ma partie en coop, c'est vraiment quelque chose que je faisais pas du tout. Donc, à ce moment-là, c'est juste normal aussi, à ce moment-là, que ma partie coop allait plus vite. C'est peut-être ça aussi, là. Oui, c'est sûr que quand tu joues à 3, tu prendras pas le temps de cliquer sur chaque personnage pour lire leur histoire non plus. Non, effectivement. Puis ça reste que je sais pas si tu jouais avec tes amis à toi, probablement que oui. Mais quand on joue en coop avec des chums, ben on se motive à faire la game plus vite puis à être plus fort aussi, là. Ouais, si je peux rajouter quelque chose, un gros inconvénient que je vois avec le coop, en fait, c'est que n'importe quel de tes amis peut joindre ta game n'importe quand. Ouais. Puis ça, ce qui m'est arrivé, c'est que, exemple, j'étais niveau 30, puis il y a quelqu'un qui était dans ma liste d'amis qui était niveau 12 qui est rentré dans ma partie, tu sais, puis là, il a essayé de faire les mêmes quêtes que moi, sauf que quand il y a trop gros niveau d'écart, ben, premièrement, les monstres sont plus durs, puis lui, il peut pas vraiment t'aider. Puis deuxièmement, il leech ton XP, donc. C'est lui qui prend la majorité des points d'expérience, puis toi, tu augmentes moins vite. Ouais, justement, pour te rattraper, pour que son niveau essaie de te rattraper le plus possible. Sauf que tu peux pas rien faire. Tu sais, je veux dire, il rentre dans ta partie, mais tu peux pas rien faire. Tu n'avais pas nécessairement envie de jouer avec cette personne-là. Tu peux pas l'expulser. Puis ce que j'ai remarqué d'autre, c'est que moi, ça m'est arrivé que, par exemple, quelqu'un se joignait à ma partie, puis il était, par exemple, le même niveau que moi, puis il était pas là, il faisait juste joindre ma partie, puis là, je m'en allais me battre contre les ennemis, puis il devenait 2 fois plus fort, donc c'était extrêmement difficile, puis j'arrivais pas à progresser. Oui, j'avais plus d'expérience, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment plus difficile. Non, ben parce que le jeu s'ajuste, puis il devient plus difficile quand on joue en coop, puis... Dans le cas d'Éric, justement, en plus, comme son ami y arrivait puis qui était vraiment plus bas niveau, ben à ce moment-là, c'est sûr que ça fout le concept un peu en l'air. Peut-être qu'il y aurait dû mettre une limitation, justement, qu'on peut rentrer dans une partie, mais il faut absolument, mettons que l'hôte, si on veut, la personne qui hoste la partie, soit accepte que l'autre personne arrive. Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième, ben qu'il y ait tel niveau d'écart maximum entre les deux. Mmh. Ça fait plus que 5 niveaux d'écart en plus ou en moins là, par rapport à la partie de l'autre. Mmh. Mettons, Anthony Gravel veut joindre votre partie, acceptez-vous, tu sais, puis là, oui, non. Non, ouais. Anthony, on dit tout le temps non. Non, mais tu sais, il me semble que ça n'aurait pas été si compliqué à ajouter, mais peut-être que dans une patch futurement... Ben, soit ça, ou peut-être que c'est tout simplement la vision qu'eux avaient du jeu, qui voulait que ce soit un jeu beaucoup plus collaboratif. Des fois, c'est une question de vision aussi qui donne comme ça. Mm-hmm. Après ça, ce qui va arriver, c'est que là, Blizzard vont s'asseoir, ils vont regarder leur forum, puis ils vont dire, ça revient comme 80% du temps, il faut absolument qu'on change ça. Puis c'est là qu'on va voir si c'est une compagnie qui est à l'écoute de ses joueurs ou non. D'historique, avec des jeux justement comme World of Warcraft, puis les modifications qui ont été faites au fil des années, on sait que ce studio-là, en tant que studio, est assez à l'écoute des joueurs. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire depuis que c'est plus un studio indépendant d'une certaine manière et puis que ça appartient à Activision? Ben, je sais pas. Bon, on va voir. Moi, il y a quelque chose qui m'a quand même dérangé, c'est que quand... Excuse-moi, je viens juste de perdre mon fil complètement. Ouais, mais on t'a perdu toi aussi. Ouais, t'es loin.
Ah, je parle pas fort? Ouais. Ok, mais excusez, mais continue. Non, c'est pas grave, c'est pas de problème, mais vas-y, ça avait l'air de se replacer. Ok, ben j'ai vraiment perdu le fil, j'étais en train de parler, puis j'ai complètement oublié. Non, mais je m'excuse. Chose qui arrive. Oui. De ton côté, Eric, à part de ça, toi, y a-tu d'autres choses qui t'accrochent puis que t'aimes pas? Ben c'est ça, là, le fait qu'il y ait moins de personnalisation. Ça, j'ai vraiment moins aimé ça, mais moi, ce qui me fait surtout peur, ok, c'est qu'ils ont descendu les niveaux de 99 à 60. Ok, puis les niveaux, ils montent quand même assez vite, là. Pis j'ai peur d'arriver au niveau 60. J'ai peur de voir ce qui va arriver. T'sais. Ben, moi, ce qui va arriver, ce que j'ai l'impression, c'est que là, pourquoi que c'est niveau 60, c'est pour prévoir les extensions aussi qui vont arriver, puis qui vont te. Parce que ça, de donner un nouveau cap level pour une extension, c'est un facteur de vente. Ouais. Donc, c'est comme World of Warcraft, quand que la première extension est arrivée, qui était Burning Crusade, ben là, le cap level passait de 60 à 70. Donc ça, c'est un argument de vente. C'est les joueurs, maintenant, qui sont vraiment crinqués puis intéressés, ils disent « Yeah, maintenant, je vais pouvoir découvrir des nouveaux mondes et en plus, arriver jusqu'au niveau 70. » Donc ça, c'est un justement, comme je dis, c'est un nouveau, c'est un autre facteur de vente. Si je me trompe pas, avec Diablo 3, il y a deux extensions qui sont planifiées pour l'instant. Oui, c'est ça qui avait été découvert. Je pense qu'à un moment donné, il y avait sorti les plans de Diablo, de Blizzard, qui étaient sortis par un employé, on ne sait pas qui, là, qui avait pris ça en photo, puis ça avait été mentionné qu'il y aurait deux extensions. Puis si on écoute bien l'histoire, puis qu'on lit vraiment tous les dialogues, on peut quand même avoir une bonne idée de ce qui pourrait être... dans l'extension. Puis je me suis rappelé un peu de mon idée, de ce que je voulais dire, que je voulais reprocher au jeu, c'est que, tu sais, oui, on encourage beaucoup le coopératif, mais on a 5 classes, puis on peut seulement jouer à 4. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Puis, tu sais, avant, on pouvait jouer à 8, je crois, puis maintenant, on a descendu, puis il y a beaucoup de gens qui jouent à ce jeu-là. Moi, il y a 2 semaines, il n'y avait personne sur Battle.net, puis maintenant, j'ai comme toujours 12, 13 amis en ligne, puis ça serait le fun, parfois, de jouer les 5 classes, chacun ensemble, mais non, on est obligé de jouer à 4, puis c'est dommage. Oui, ça, c'est dommage. C'est vrai, il y a 5 classes, tu peux jouer juste à 4, puis même s'il y a juste 5 classes, à la limite, il n'y a rien qui t'a empêché de jouer à 8. Ça aurait fait quoi qu'il y aurait eu 2 sorciers puis 2 barbares dans la partie, tu sais? Mais exact. De toute façon, chacun a ses items individuellement, ce qui est très intéressant. Il n'y a pas vraiment de... C'est pas le premier qui clique, là. C'est pas le gros stress comme c'était avant, là. C'est tout le monde, non, chacun ses affaires, puis on c'est peut ça. Ce qui... les objets qui apparaissent sur le sol quand on tue des ennemis apparaissent individuellement dans le visage de chacun. Donc, ce que vous voyez sur le sol, c'est qu'il vous appartient déjà. Si vous voulez le ramasser, vous le ramassez. Si vous voulez le laisser là, vous le laissez là, puis c'est tout. Puis les autres joueurs autour peuvent pas le ramasser. Parce qu'eux ont leurs propres items sur le sol qu'ils voient que vous ne voyez pas. Ça, c'est un truc qui est bien, par contre. Oui, oui. J'ai hâte d'avoir l'aréna aussi. Il est supposé avoir une aréna pour faire du PvP, du player versus player, un peu comme dans World of Warcraft. Oui. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça. Moi aussi, mais je pense qu'on n'en saura pas avant quelques mois. D'après moi, ils vont corriger les défauts de jeunesse, puis après ça, se lancer dans cette nouvelle fonctionnalité-là. Puis, faut pas oublier aussi l'auctionnance réelle qui arrive d'ici quelques jours. Hein. Qui a été remis, notre travail. Qui a déjà été remis d'une semaine, qui devait être le 22 mai, puis finalement, est passé au 29 mai, puis on ne sait pas encore si ça va être repoussé. Ouais, ben là, dans le fond, eux ont fait ça. D'abord, avant tout, c'était dans la lettre qu'ils ont publiée pour dire qu'ils s'excusaient, que le lancement du jeu avait pas été au-delà de leurs attentes. Et puis que finalement, ben, pour cette raison-là, ils se concentraient sur les systèmes actuels et que l'auctionnage, justement, serait lancé plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous? C'est sûr que là, on l'a pas vu, le système, parce qu'il est pas encore paru, il existe pas. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça, la possibilité de monétiser les articles qui sont dans le jeu avec du vrai cash, finalement, avec votre argent à vous? C'est pas nouveau, tu sais. Avant, c'était sur eBay. Puis maintenant, c'est juste comme plus caché, c'est directement avec Blizzard. Oui, ben c'est vrai, parce que ça, si on prend justement l'exemple de World of Warcraft, c'est que pour ceux qui connaissent pas, il y a un marché noir où est-ce que c'est possible d'acheter soit des articles ou acheter vraiment de l'argent, finalement, acheter des gold.
avec du vrai argent. Donc, c'est fait souvent par des entreprises illégales chinoises, là, on va dire ça comme ça, qui engagent, qui a à faire travailler des joueurs durant 18 heures par jour pour ramasser de l'argent. Puis cet argent-là, après ça, elle est vendue sur eBay. Vous donnez le nom de votre personnage, puis vous envoie ça par le mail-in, si vous voulez, dans le jeu. Donc, vous pouvez recevoir, acheter comme ça 2000 ou 5000 gold pour 50$, par exemple. Donc, ce qui débalance un peu, justement, l'économie du jeu. Là, ici, Blizzard, ce qu'ils ont voulu faire avec ce système-là, c'est justement pouvoir contrôler en premier lieu ce système-là. Donc, avoir la possibilité d'avoir mainmise sur ce qui se faisait comme transaction. Et aussi, bien évidemment, monétiser leur coffre avec ces transactions-là. Parce que cet argent-là, ben, ça va à eux directement. Et ça va pas à des entreprises chinoises. Ça va être plus sécuritaire aussi, là. Tu vas être sûr d'avoir les items pour lesquels tu as payé. Contrairement à avant, quand tu achetais sur eBay ou des sites comme ça, ben, tu sais, tu savais jamais, allais-tu vraiment recevoir la gold, allais-tu vraiment recevoir les items. C'est à qui tu donnais ton numéro de carte de crédit, tu sais? Non, effectivement. Puis en fait, si vous jouez encore à World of Warcraft aujourd'hui, moi je vous le dis, là, achetez pas de l'or comme ça sur un site internet que vous connaissez pas ou sur eBay, c'est vraiment pas fiable. Après ça, un autre truc qui pourrait être agaçant peut-être au niveau du jeu, c'est que là, ben, on sait toujours pas, justement, on parlait tantôt du mode de PVP, on sait toujours pas quelle date que ça va avoir. On sait pas aussi si, concernant le PVP et justement la boutique en ligne, si les items qu'on va pouvoir acheter versus le vrai argent, s'ils vont être supérieurs aux items qui peuvent être obtenus dans le jeu, et si justement ça va pas débalancer le jeu PVP, qui à ce moment-là, c'est les joueurs qui vont payer, qui vont être plus performants versus les joueurs qui auront pas payé, qui vont vouloir avoir juste jouer le jeu, finalement. Mais tu vois, j'avais pas pensé à ça, puis ça pourrait expliquer un peu quelque chose qui me déçoit un peu depuis la sortie, c'est que je trouvais qu'il y avait pas beaucoup d'items. Moi, j'ai un peu fouillé pour voir qu'est-ce qu'on pouvait trouver, puis on est tombé d'ailleurs sur un item légendaire avec mes amis, puis on s'est dit, ah, ben tu sais, combien est-ce que ça vaut? Alors, on a commencé un peu à jouer avec le Auction House qui est fait avec seulement du gold, puis j'ai remarqué que, de un, il y avait pas beaucoup d'items, de deux, c'était... T'sais, dans le jeu, c'est pas très difficile d'obtenir du gold puis d'acheter les items après avec ça. Donc, j'ai de la misère à voir comment est-ce que le marché de la vraie argent va marcher, sauf s'il y a pas des nouveaux items, des trucs spéciaux qui vont être rajoutés, comme tu disais, de cette manière. Ben moi, ce que j'ai peur, c'est justement que ça soit des items exclusifs, mais d'une performance beaucoup plus grande versus ce qui est disponible dans le jeu, soit à trouver ou à acheter avec des gold, là, finalement, avec de l'argent du jeu. Donc, pis ça, moi, je trouve que ça serait une erreur de faire ça, parce qu'à ce moment-là, ben, tu récompenses pas les fans qui jouent vraiment au jeu, tu récompenses juste ceux qui ont de l'argent, tu sais. Mais j'ai l'impression que ça s'enligne un peu vers ça, parce que je lisais sur les forums, puis ils disaient que, oui, les items légendaires sont bons, mais en ce moment, les meilleurs items du jeu, c'est des items bleus. Donc, c'est un peu illogique, là, il manque quelque chose à quelque part, puis je suis un peu inquiet de ce côté-là, que ça serait... J'ai hâte de voir vers où on s'en va avec ça. Moi, de mon côté, j'ai pas de gros points différents où est-ce que je pourrais rajouter sur le malheur de ce jeu-là, parce qu'on a déjà fait le tour de la plupart des points que je trouvais. Mais je voulais juste dire que globalement, c'est quand même, malgré tout, là, malgré toute la section un petit peu plus négative qu'on vient de parler, c'est un jeu qui est franchement prenant. Ça fait déjà plusieurs heures qu'on met, là, vous le voyez, là, même Anthony il a mis des heures et des heures et des heures. Ouais. Mais on a beaucoup de plaisir avec ce jeu-là, puis on s'en vient avec une critique écrite là, bientôt. J'ai déjà commencé à travailler là-dessus, donc si vous vouliez l'écrire, les gars, je m'excuse. Non, pas de problème, on s'y attendait. Ben moi, je m'y attendais. Ouais, mais c'est ça, j'ai déjà commencé à travailler quelque chose de mon côté, puis je vais arriver avec une critique écrite pas rapidement. C'est un jeu que je veux jouer beaucoup plus en profondeur pour écrire une critique beaucoup plus complète. Et puis d'ici quelques semaines, probablement, pour avoir un test plus intéressant, plus complet à vous fournir. Donc, ben moi, j'avais pas mal fait le tour de mes points. Avant qu'on termine, aviez-vous quelque chose à rajouter sur Diablo 3? Non, grosso modo, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Là. Ça va être, je pense, une fois qu'on va être niveau 60, puis qu'on va avoir plus joué, qu'on va pouvoir encore donner plus notre avis. Là. Ça fait quoi, une semaine même pas que le jeu est sorti encore? Oui, c'est ça, effectivement. Et puis,
Moi, j'ai, comme je disais tantôt, j'ai mis à peu près une dizaine, peut-être une douzaine d'heures en comptant les deux personnages. Ce qui, dans, pour moi, dans une semaine, c'est quand même beaucoup parce que j'étais assez occupé avec la famille, les enfants et puis le site aussi qu'il faut s'occuper. Puis, au fil des semaines, en avançant, puis on va découvrir encore plus de choses dans ce jeu-là. On va voir aussi qu'est-ce qu'on aime plus, qu'est-ce qui nous accroche aussi, parce que ça peut arriver que ce soir, on ait oublié des trucs. Mais j'espère aussi que les gens sur le chat, là, que vous avez été là présentement, que vous avez apprécié aussi qu'on parle de Diablo 3 assez, en, quand même assez en détail ce soir. Donc, moi, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'est une belle expérience. On va peut-être essayer de remettre ça pour un autre jeu à un moment donné, si on a la chance d'y jouer massivement, là, toute la gang comme ça, là. Ben oui, c'est le fun dans ce temps-là. Oui, effectivement. Donc, si Anthony puis Mathieu, vous avez rien non plus à rajouter en fermeture? Un petit truc, c'est que on a remarqué aujourd'hui que avec mes amis que à quatre, on travaillait vraiment fort sur un boss puis qu'on n'arrivait pas à le terminer puis que mon ami est allé l'essayer après en solo puis qu'il n'y a eu aucun problème. Donc, je sais pas si c'est sa classe qui était tellement puissante ou si c'est vraiment le jeu qui est peut-être un peu plus facile en solo. Peut-être. En fait, vois-tu, tantôt, on parlait même du contraire. Mais peut-être que pour les boss, c'est sûr et certain que les ennemis sont plus difficiles quand on est plusieurs. Mm-hmm. Que peut-être qu'à ce moment-là, il fallait juste ajuster votre stratégie un peu vraiment pour être capable de terrasser ce boss-là. Exact. Mais ça reste que, justement, si vous avez la chance d'y jouer en coop, ça vaut la peine. C'est vraiment amusant de pouvoir le faire avec des amis, ce jeu-là. Mais pour profiter de l'histoire, vous pouvez quand même le jouer seul parce qu'avec des amis, il y a des grosses chances que vous n'ayez pas le temps ou pas le goût de prendre le temps de lire justement les éléments de l'histoire. Quand on joue avec des amis, ben on veut jouer avec nos amis, on veut pas lire. Hein? Donc, puis Mathieu, de ton côté? Non, je trouve qu'on a pas mal fait le tour. Là. Ça a fait... parler de Diablo 3, là. Ben, c'est excellent. Mais Mathieu, comme je t'ai... si les gens veulent te suivre sur Internet, c'est à quel endroit où est-ce qu'ils vont? Moi, sur Twitter, c'est matt_april. Matt2t. Oui, c'est ça, matt2t. Ouais. Puis Facebook, ben, c'est juste pour mes amis. Donc, si je vous ai jamais rencontré, je vous ajoute pas. Bon, ça, c'est un classique, si on commence à l'entendre, celle-là. Oui. Anthony, de ton côté, si les gens veulent te joindre... Mais moi, c'est sur Twitter, @agravel15. Donc, agravel15. Ouais, puis le 15, c'est pourquoi, hein? Ah, 15, c'est juste mon chiffre, ma date de naissance, le 15 mars. Ça a toujours été mon chiffre, peu importe, dans tous les jeux. Fiche fétiche. Ouais, c'est mon fiche fétiche. Je suis un féticheur. Cool. Eric, de ton côté? Si les gens veulent te rejoindre, ou si t'es rejoignable, toujours, évidemment. Ouais, ben moi aussi, c'est sur Twitter. REEK_Valley. Donc, Rick Valley sur Twitter. Super. Et puis, de mon côté, c'est évidemment sur Twitter, @commercialtremblaymax. Sur Facebook, c'est la même chose que Mathieu. Donc, c'est surtout pour ma famille et mes amis. Sauf que sur Facebook, vous pouvez souscrire à mes posts publics. Puis, je les manage. Donc, si vous souscrivez, vous n'êtes pas nécessairement mon ami, mais les posts publics, vous pouvez les voir et les commenter. Ça, il n'y a pas de problème. J'ai ouvert ça. Puis, les posts qui ne sont pas publics, ben vous ne les verrez pas parce que c'est pas public. C'est pas pour rien. Sinon, on est aussi sur Google+. Sur Google+, donc la place où est-ce que je veux, juste une fois deux semaines parce que j'y pense jamais. Mais le groupe de l'Épée légendaire, la page officielle existe, donc faites une recherche sur Google+. Et puis sur Twitter, j'ai parlé de mon compte, mais il y a aussi le compte officiel de l'Épée légendaire qui est @commercial Épée légendaire. Sur Facebook, c'est facebook.com/Épée légendaire. Donc, je pense que c'est pas mal ce qui conclut la balado légendaire pour cette semaine. C'était le chapitre 18, si je me trompe pas, hein? Oui, je crois que c'est ça. Ouais. C'était le tome 2, chapitre 18 cette semaine, ce qui veut dire que c'est rendu au total le 36e épisode. Donc, c'est comme, mine de rien, ça avance. Puis, juste dernière chose avant de partir, l'Épée légendaire va avoir un an, dans un mois pile. Donc, c'est un projet que j'avais démarré l'an dernier avec Mélanie, puis ça va faire un an dans un mois, donc... Je vais essayer de préparer quelque chose de spécial. Je promets rien, mais je vais essayer de faire quelque chose de spécial pour souligner le premier anniversaire de l'Épée légendaire. Ah ben, on a tous très hâte. Ben oui, ça paraît. Donc, merci à tous. Merci aux gens qui étaient avec nous ce soir de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour une autre balado légendaire la semaine prochaine. Merci et au revoir. Merci. Salut. Merci.